Arbe agura kuleno en agiev hui alaro elit nevar mureturel kasin khanor epudenbe. Adagiev paverio uaragalonat enagavo epardar terotin maro aedaet grega Fear hearing you stay. Must do some boy. Nach Chigu stay. Must do some boy. Gustei hograt rigrat nachci gustei hograt rigrat arfagvan anarsho alali. Vor Ezer Sanat
ciel un fouet. I shall major chloignore mara. Cette 11e aventure qui est pour notre pointe de la Bretagne, hein, pas seulement pour notre commune du Conquet, mais pour notre intercommunalité, le pays d'Iroise. C'est la première manifestation culturelle chaque année, hein, qui ouvre la saison après de toutes les manifestations culturelles, sportives, touristiques, de tous ces mois qui, au fil des mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Nous avons souvent en Bretagne de très beaux mois de septembre, également avec des animations dans les différentes communes, et nous ouvrons chaque année cette grande série. Merci à ceux qui viennent des communes d'à côté. De l'association Romarin. Je suis très heureux de vous accueillir
ce matin dans ce cénotaphe qui, comme vous le savez, est partie intégrante du Mémorial national des marins morts pour la France. Merci à vous tous d'être venus rendre hommage aux marins morts pour la France, en général, et en particulier à tous ceux qui sont morts pour l'indépendance américaine. À chaque fois que cela est possible et cohérent, nous nous associons avec l'association La Mer en Livre, dont le président, voilà, il se cache, hein, René Richard est présent. Nous associons avec eux pour accueillir l'invité d'honneur du salon, notamment lorsque l'invité d'honneur est dans le domaine, quelque part, de la mémoire maritime. Cette année, nous sommes heureux de vous accueillir, cher Gilbert Pucci de Lafayette. Vous représentez, en raison de votre ascendance, les familles de tous ceux qui ont contribué à l'indépendance américaine. Et nous n'oublions pas qu'à titre personnel, vous continuez avec beaucoup de talent et de ténacité à perpétuer le souvenir de tous ces soldats et marins qui ont combattu pour créer cette grande nation américaine que nous admirons là. Je vais demander à... préparer, si vous voulez bien approcher pour la flamme. Allez, voilà, le papa. Vous avez combattu si loin de en laissant derrière vous la terre de vos amours. À l'assaut marin, rejoignez l'équipage qui s'en va loin devant, naviguer au long cours. Représentant de la commune, alors, je ne dis pas de bêtises, voilà, excusez-moi et le privé. Merci de nous recevoir, c'est un grand honneur pour mon fils et moi-même de venir ici. Beaucoup d'émotion d'allumer cette flamme, puisqu'il y a quelques années, un 4 juillet, mon fils a fait le réallumage, le rallumage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Et donc, c'est lui de la partie de combattants. Et ça rappelle mon premier voyage à Yorktown pour le 800 mètres de la victoire de Yorktown, qui était la grande victoire, en 1981. Et c'est là où j'ai appris l'importance de la marine. C'est la seule époque sous Louis XVI, cette époque-là, où la marine a été l'équivalent de la marine anglaise. Il n'y a pas eu d'autre. Et c'est grâce aux marins et à la marine en particulier, qui était dirigée par l'amiral de Grasse, qui était l'amiral des Stades, et le grand, c'était l'amiral de Grasse. Sans la marine, j'aurais pu gagner la guerre et l'indépendance aurait été plus retardée. Ça fait sortie. Passé face aux États-Unis qui se trouvent à peu près dans cette direction. Voilà. Donc, et je trouve que c'est un symbole qui est très fort que d'avoir cette plaque qui rend hommage à nos camarades marins qui ont disparu lors de cette guerre d'indépendance américaine. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Gilbert Pucci de Lafayette, nous avons une part quand même importante à nos yeux, on est peut-être un peu chaud, hein. On a une part importante dans cette guerre d'indépendance. En tout cas, on y croit beaucoup. Et je pense que beaucoup d'Américains le pensent aussi. Voilà. Bien, je vais vous inviter à dévoiler la plaque. On retire par le haut. Voilà. En restant quelques instants pour la photo, en regardant peut-être... Donc, aux marins morts pour l'indépendance américaine, 1778-1783. 1113 morts sur le territoire américain, dont 32 officiers, 80 officiers mariniers, 793 quartiers-maîtres et matelots, 131 mousses et novices, 77 soldats du corps royal de la marine. Ce souvenir ne concerne bien sûr que ceux
qui sont morts sur le territoire américain ou dans les eaux territoriales américaines. Au titre de cette guerre d'indépendance, on pourrait aller beaucoup plus loin, comme ne manquent pas de le faire certaines associations, puisqu'elles associent également dans les marins français morts pour l'indépendance américaine, des marins qui sont morts aux Antilles, en océan Indien et beaucoup plus loin, parce que c'est les associations considèrent qu'elles ont affaibli l'ennemi anglais de l'époque. Mais nous, on s'est cantonné vraiment à des choses absolument certaines, le territoire américain et les autres territoires américains. On laisse les historiens œuvrer pour les autres. Complémentaires, oui. Mais c'est important, c'est vrai. C'est important, je crois. Voilà. En tout cas, sachez, et vous pouvez le dire à tous les visiteurs, qui viennent nous voir ici à la Pointe Saint-Mathieu, j'espère qu'il y aura beaucoup de descendants de cette période, pour leur dire qu'il y a une plaque qui commémore le souvenir de leurs ascendants qui sont morts ou qui ont participé. Il faut avoir une pensée pour ceux qui ont participé et qui ont eu la chance de s'en sortir. Tous ceux qui ont participé, qui ont contribué à l'indépendance américaine, il y a un petit souvenir ici sur ma terrasse. Là, je transmettrai au Cincinnati et au fils de la Révolution américaine dont je fais partie et qui regroupe pour les... Oui, garde-le. Et qui regroupe tous les descendants de ceux qui ont participé à la guerre d'indépendance. J'espère que je verrai s'il y a beaucoup de descendants de marins qui font partie des deux associations. Donc, je tiendrai au courant. Voilà. Alors sachez que l'association marin est adhérente depuis quelques mois à l'association Lafayette, parce qu'il en existe une, dont le président est du côté de... T'as vu, monsieur, qui est du côté de Strasbourg, Nachberg. Voilà, et qui défend avec beaucoup de ténacité la mémoire de Lafayette, dont son association porte le nom. Voilà, je me permets de vous... Merci. Vous êtes au salon du livre maritime. Oui, à une certaine époque, ce livre a été présenté au salon. En tout cas, c'est un des administrateurs honoraires aujourd'hui, Albert Lahotte, qui a écrit à notre demande cet ouvrage qui vous donnera l'histoire du site ici. Il sera mémorial. Je pense que vous verrez Albert Lahotte cet après-midi. Il fréquente assidûment le salon, donc vous le verrez. En tout cas, ça fera un bon livre de chevet ou de voyage. Oui, tout à fait. On a bien compris que le livre imprimé n'est pas mort, loin de là, et donc vous incarnez, voilà, merci, voilà, et bien, nous participons à notre échelle, et avec vous, et avec plaisir, à ce développement, merci, bon appétit, je lève mon verre, à la réussite de ce salon. Thank you.
Centre de recherche en histoire atlantique et littorale. Vous êtes vice-président de la Société française d'histoire maritime. Vous avez reçu de nombreux prix, dont celui de la Coram, pour votre biographie sur Jean Bart. Vos ouvrages ont été 5 fois récompensés par l'Académie de Marine. Merci, monsieur, d'honorer aujourd'hui notre Salon du Livre maritime du Conquérant. Depuis notre rencontre au château de Brest, un peu avant Noël, où vous donniez une conférence, j'ai pris plaisir à me plonger dans plusieurs de vos ouvrages. Avec votre livre « L'Hermione, Lafayette et Latouche-Tréville », depuis deux hommes au service de l'indépendance américaine, j'ai découvert que cette frégate emblématique est aussi le symbole de la renaissance de la marine de guerre française. Nous en parlerons sans doute encore un peu plus demain matin, ici même, à l'occasion de notre table ronde. Avec votre livre, Lafayette, ces livres sont sur la table ici, Rêver de gloire, le titre Lafayette, Rêver de gloire, j'ai essayé de mieux comprendre cet homme d'exception. Dans votre livre, vous vous posez la question, Lafayette, icône ou épouvantail? Adulé aux États-Unis, Lafayette, controversé en France, encore, même aujourd'hui. Lafayette, c'est à la fois la mer, les grands horizons, les champs de bataille, la victoire de la Révolution américaine. En 1781, la Révolution grondait en France, Lafayette se sentait appelé par son pays, et au moment de son départ des Amériques, George Washington, devenu son père spirituel, lui déclarer, Lafayette, en vous voyant partir, il me semble voir s'éloigner de moi cette image généreuse de la France qui nous a tant aimés et que j'ai aimé en vous aimant. Et George Washington ajoutait, nous avons jeté une semence de liberté et d'union qui germera peu à peu sur toute la terre. Un jour, sur le modèle des États-Unis d'Amérique, se constitueront des États-Unis d'Europe. Nous sommes en 1783, après avoir participé activement et brillamment à la réussite de l'indépendance américaine, comment Lafayette, ce breton de souche par sa mère, homme toujours au service du roi Louis XVI, a-t-il pu incarner cet homme des libertés dans cette période complexe, 1783-1789. Merci à vous, M. Patrick Villiers. Merci, M. le Président. Bravo pour cette belle introduction. Bravo aussi pour l'accueil que vous m'avez réservé. Bravo aussi pour ce salon du livre qui est une réussite. Je le vois bien par tous les gens qui sont là et puis les gens qui écoutent.
Alors, vous m'avez demandé, non pas de vous parler de l'aventure de l'Hermione, on pourra répondre aux questions des gens si ça intéresse, mais vous m'avez dit, on pourrait peut-être parler des aspects qui sont moins connus. Et donc, je vous ai proposé deux thèmes. Et si Lafayette était un Breton ? C'est la première conférence que je vais vous faire. Et la deuxième, c'est parce que j'ai été sollicité pour participer à une exposition qui va avoir lieu à New York à la fin de l'année sur Lafayette et l'abolition de l'esclavage. Vous savez à quel point la question de l'esclavage est une question sensible aux États-Unis. Et vous savez aussi que Washington était planteur et avait des esclaves. Et donc c'est une question à la fois très sensible pour les États-Unis, mais qui a été aussi très sensible dans les relations entre Washington et Lafayette, comme nous le verrons dans la deuxième partie. Donc je vais essayer de respecter mon temps de parole, parce que comme vous le savez tous, je suis un grand bavard. Alors le problème du bavard, c'est qu'il faut qu'il dise de temps en temps des choses intéressantes, et puis de temps en temps qu'il... tiennent aussi son temps de parole. Donc je vais essayer à peu près d'équilibrer les deux conférences et de respecter le temps de parole pour vous donner la parole, parce que je pense que vous aurez de nombreuses questions à me poser. Sachant qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il y a simplement celui qui ne sait pas y répondre, et ça peut être moi, alors je vous le dirai, je ne peux pas répondre très volontiers. Donc, vous me verrez de temps en temps regarder ma montre, non pas parce que je m'ennuie avec vous, mais pour respecter le temps de parole que on m'a imparti et que vous m'avez imparti. Alors, un petit on-off là-dessus. Je vois appuyer sur bon bouton, c'est droite-gauche. Ah, j'ai pas, je ne sais pas. 1, 2, 3, parfait. Alors, Lafayette, un Breton qui s'ignore. On va passer à la diapo numéro 3, s'il vous plaît, juste après celle-là, toc, encore après. Voilà, non, juste après. Donc, l'épopée de l'Hermione. Donc, on en parlait à table avec M. l'ingénieur Valu. L'épopée de l'Hermione et de sa reconstruction est quelque chose d'extraordinaire, on aura le temps d'en reparler longuement, etc. Mais il est vrai que quand Lafayette reçoit ordre de revenir aux États-Unis pour annoncer l'arrivée de l'escadre au Ternay, on lui dit « vous partez sur une frégate », il ne sait pas encore qu'elle s'appellera l'Hermione, il ne sait pas encore qu'elle sera commandée par la Touche Tréville, il ne sait pas encore qu'il y a des liens d'amitié très forts auront lieu entre la Touche Tréville et lui-même. Donc en fait, lui, il sait qu'il part sur une frégate. Ce qui nous intéresse, en fait, ce qu'il faut simplement rappeler, c'est que c'est la deuxième fois qu'il va aux États-Unis. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà des images bien connues de la finition de l'Hermione. Et ce n'est pas un hasard si on a mis les armes royales, car je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais l'aide aux États-Unis, c'est Louis XVI qui l'a décidé, c'est le roi. C'est le roi qui l'a décidé, c'est le roi qui a désavoué Turgot qui lui disait si vous faites la guerre aux États-Unis, vous ne pourrez pas financer les réformes dont votre royaume a besoin. On a dit ensuite qu'il lui avait ajouté votre royaume chutera, bon, c'est toujours facile plus tard de le dire. Enfin, il était certain que ce n'était pas une obligation pour Louis XVI de se tourner vers les États-Unis, et donc c'est bien Louis XVI qui prend cette initiative. Donc, il faut le saluer. Et la première initiative que prend Louis XVI, c'est de donner des crédits à la marine, car la marine, c'est de l'argent, mais c'est aussi des approvisionnements. Et donc, que ce soit pour les bois de mâture ou pour les bois de construction, c'est des stocks que l'on constitue des années à l'avance. Et j'ouvre juste, je ferme la parenthèse là-dessus, les bois de mâture venaient pour la plupart de Russie. Et pour parler de la Russie, il fallait qu'on passe évidemment par la Manche pour arriver à Brest et ensuite Rochefort. Donc les Anglais connaissaient la musique, ça veut dire qu'en temps de guerre, on ne peut recevoir aucun approvisionnement de mâture. La France est autonome en canon, elle est autonome en bois de chêne, elle est autonome en... mais elle n'est pas autonome en mâture. Donc si on ne constitue pas des stocks à l'avance, et bien au bout de 2 ans, 3 ans de guerre, on n'aura plus de mâture. Et comme les matures s'usent, qu'elles se cassent, etc., et bien c'est comme se retrouver avec des bateaux sans moteur.
Et donc, la première chose que fait Louis XVI et que font Sartine, son ministre de la Marine, c'est d'acheter d'énormes stocks de bois pour préparer la guerre. Donc, c'est la première initiative. Donc, et simultanément, comme vous le savez, on va encourager en sous-main le départ d'un certain nombre d'officiers, dont notamment Duportail et la Rouerie, et puis d'autres. Et donc, diapo suivante, s'il vous plaît. La suivante, après. Voilà. Donc, voilà approximativement le voyage que suivra Lafayette sur la Victoire, enfin, qu'il suivra sur l'Hermione et qu'il suivra lorsqu'il reviendra à d'autres reprises aux États-Unis. Vous voyez donc qu'en fait, les vents d'ouest sont dominants, donc il faut descendre au sud, les contourner pour reprendre les voies, les vents qui vous feront remonter. Donc, quel rapport entre cette image traverser l'Amérique et le château de Chavagnac que certains d'entre vous ont reconnu, qui est donc le berceau de Lafayette? Bah, soyons clairs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a encore moins si on se souvient, et ce n'est pas faire du Lafayette bashing, c'est-à-dire de la critique de Lafayette, que de rappeler un certain nombre de choses qu'on a trop tendance à oublier. Lafayette a 18 ans. À 18 ans, on est mineur. On est majeur à 25 ans. Ce qui veut donc dire que Lafayette ne peut prendre aucune décision qui ne soit avalisée par le conseil de famille. Ce qui veut donc dire que quand Lafayette, dans ses mémoires écrites en partie par son fils, dit « Je me suis enfui des amis, des sociétés », cela, c'est faux. C'est faux, comme nous le prouvent plusieurs documents. Alors, ce document-là vient d'être retrouvé dans des poubelles à Paris. Bon. C'est la comptabilité de l'armateur reculé de Bas-Marin qui a été l'armateur de Lafayette. Et diapo d'après. On était un petit peu trop vite. Encore. Donc, voilà. Là où il y a le doigt de celui qui est sur. Vous voyez écrit la victoire. Donc, l'armateur de la victoire n'est pas Lafayette, comme il dit dans ses mémoires, mais. C'est l'armateur reculé de Bas-Marin, le Bas-Marin. Mais ce qui est très amusant, c'est que si on suit la liste, etc., on trouve une comtesse de Lafayette, on trouve une comtesse de Noailles, etc. Et donc, reculé de Bas-Marin a été un des très grands armateurs de Bordeaux, très méconnu, parce qu'il avait failli, etc., mais en fait, qui était lié à la famille Noailles, à la famille Ayen. Mais, donc, revenons à ce que nous savons tous. Et puis, de là, nous allons arriver à ma problématique. Et si Lafayette était breton? Donc, revenons à ce que nous savons, ou croyons savoir. Donc, Lafayette se marie. Il entre dans la famille prestigieuse des Ayen-Noailles. Hein, et donc, voilà son beau-père. Alors, ce beau-père, il a le malheur qu'un certain nombre de gens connaissent, le malheur d'avoir que des filles. Hein. Et à cette époque-là, vous savez que les filles, il fallait leur mettre une dot. Donc il a 5 filles à doter. De nous arrêter, on pourrait continuer longtemps. Merci à vous, professeur Bélier, de nous avoir fait découvrir un peu plus, un peu mieux. Je crois que ça mérite des applaudissements. Merci. Je pense que vous aurez plaisir à aller plus loin dans la découverte de Lafayette, avec ce livre qui n'est là qu'en quelques exemplaires. Donc, Lafayette, rêver de gloire. Merci, et merci Monsieur Puzy Lafayette d'avoir apporté quelques éclairages complémentaires et tout à fait intéressants et qui nous donnent certainement envie d'aller plus loin. Mais nous continuerons demain matin, ici même, à 10h30, la table ronde où nous aurons comme intervenant Monsieur Villiers d'une part et Monsieur Lafayette d'autre part, mais aussi Monsieur Ballu qui était là et Monsieur Patrick Vernier qui est ici, qui nous parlera de la famille de Castres également. Donc voilà, le salon est ouvert, la conférence suivante avec l'historien donc Cornette hein, à 16h30 à peine. On commence.
Bonjour et bienvenue à cette conférence qui aura pour thème, donc, vous l'avez déjà lu, Colère rouge et concordance de temps, les Bretons révoltés de 1675 et de 2013. Elle vous sera présentée par M. Joël Cornet, né à Brest, normalien, agrégé d'histoire, professeur d'histoire moderne à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Ses recherches et ses publications portent sur la France de l'Ancien Régime, plus particulièrement sur l'histoire politique au XVIIe siècle et sur la Bretagne. Il a écrit de nombreux livres, dont l'histoire de la Bretagne et des Bretons, en deux volumes aux éditions du Seuil, pour lequel il a reçu le Grand Prix d'Histoire de l'Académie française. Il va nous montrer dans cette conférence une certaine similitude entre la révolte des Bonnets Rouges sous le règne de Louis XIV en 1675 et celle de 2013 menée par le maire de Carhaix. Après l'intervention, vous pourrez poser vos questions. Notre auteur se fera un plaisir de vous répondre. Je laisse à présent la parole à M. Cornet. Oui, eh bien merci. Similitude, je ne suis pas sûr. Qui sont en train d'écrire la tête des Bonnets Rouges, je ne suis pas sûr non plus. Mais justement, c'est un problème d'histoire et d'interprétation. Donc voilà, je remercie pour cette présentation. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout habilité pour vous parler de 2013. Mais bon, je suis historien et je m'intéresse à Louis XIV. Et donc voilà, c'est un peu cette rencontre de temps, cette concordance ou discordance de temps qui, évidemment, m'a intéressé, m'a interpellé. Et donc, je me présente ici donc en tant que plutôt 17e-miste que contemporanéiste. Mais tout de même, il y a là, une proximité, une identité possible. Et donc, ça pose question. Et moi, qui m'intéresse à la fois au centre de l'État royal, c'est-à-dire Louis XIV, Versailles, et puis la périphérie, la Bretagne, comment faire coïncider, justement, ces deux espaces disharmonieux. Alors, partons de quelque chose que chacun connaît. Il faudrait revenir à la première image. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Merci d'être présent ce soir pour célébrer le 11e salon de la mer en livre, dont le thème est l'Hermione. Nous remercions M. Gilbert Puzy de Lafayette d'avoir accepté d'être l'invité d'honneur de ce salon. Passé une dizaine, 40 ans, 50 ans, 60, ne m'a jamais donné d'état d'âme. J'aime les chiffres, tout le monde le sait, et les chiffres ronds particulièrement. Mais constater l'année suivante que le compteur ne s'arrête pas de tourner, 41, 51, 61 et plus, c'est le coup de blues assuré. Mais pour ce qui est de la mer au livre, il en va tout autrement. Entamer la deuxième dizaine nous réjouit tous. C'est la preuve du dynamisme de l'association et de la pérennité de l'aventure. Les auteurs qui nous rejoignent pour la première fois, ou qu'ils soient des habitués du salon, ne nous contrediront pas. Sont présents ce soir Viviane Godbert, vice-présidente de la CCPI, et représentant André Talarmin, excusé, qui est le président de la CCPI. Xavier Jean, maire du Conquet, les maires et élus des communes voisines, de Plougonvelin, de Trébabu, et tous ceux que je n'ai pas vus pour l'instant. Sont excusés et retenus par d'autres obligations Jean-Luc Gleuven, député, François Cuyandre, le maire de Brest, Didier Legac, notre conseiller départemental. Notre salon est une œuvre collective et intergénérationnelle.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces réussites. Les auteurs d'abord, j'espère que ce premier jour de contact avec les lecteurs a répondu à leurs attentes. Beaucoup d'auteurs ont été récompensés dans le cours de l'hiver. Vous avez pu le remarquer lors de votre visite au salon. Mais parmi eux, un seul était présent au premier salon et a débuté l'aventure avec nous. Entre Pascal Bresson et La Mer en Livre, c'est une histoire au long cours. Pascal a été élu Malouin de l'année. Il a eu le prix. Il a eu le prix du meilleur album au Festival de la BD à Lyon et le Grand Prix du public catégorie BD européenne. À ce titre, donc, il nous rejoint. Et il représentera tous ceux d'entre vous qui ont été récompensés. Eh, il ne reste pas. Ah, il faut que tu restes. Pas de discours, mais il faut rester là. Alors, merci à la municipalité du Conquet, Xavier Jean, Jean-Luc Millin, les services techniques pour leur disponibilité. Également à la mairie de Brest et aux municipalités du Pays d'Iroise qui nous aident pour notre campagne d'affichage. Félicitations aux élèves et enseignants des établissements scolaires du Conquet, les écoles primaires, le collège Don Michel, donc Saint-Joseph et Jean Monnet, le collège Don Michel, pour leurs travaux de qualité que vous avez pu voir dans le hall de la mairie, au-dessus de l'espace tissier. Vous avez pu également voir les travaux de nos aînés de la résidence du Stréatir, qui ont travaillé comme tous les ans avec Anne Cadieu, et qui nous présentent leur chef-d'œuvre avec beaucoup d'émotion, et cette année même leurs photos, ce qui les a sans doute fait beaucoup plaisir. Merci enfin à tous nos partenaires pour leur soutien depuis 2006. Les commerçants du Conquet, les entreprises du Pays d'Iroise et de Brest, qui répondent à nos sollicitations malgré le contexte économique difficile. Peut-être que certains d'entre eux disent encore, quand on revient tous les ans, ils ont l'impression sans doute qu'ils ont donné la veille au soir. Et c'était juste il y a un an. Leurs noms et logos figurent sur les panneaux que vous voyez affichés devant. Je vais passer la parole à René. Je suis un peu perdue dans mes fichiers. Merci à Françoise d'avoir relaté ces années avec talent et humour. Notre 11e édition s'inscrit un peu plus, un peu mieux. Le Salon du Livre Maritime du Conquet s'inscrit bien dans le paysage culturel du Pays d'Iroise. Auteurs, écrivains, partenaires financiers, bénévoles des autres associations, élus de nos communes et de notre communauté de communes. Un grand merci à vous tous d'être ici ce soir pour ce moment de partage, d'amitié, de convivialité. Grand merci à vous, Monsieur Gilbert. Grand merci à vous, Monsieur Gilbert de Pusilly-Lafayette, d'honorer par votre présence notre salon et notre ville du Conquet avec votre fils Alexandre. L'Hermione, épopée d'hier, épopée d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, la nouvelle Hermione voguait vers les Amériques. À son bord, aux côtés d'un équipage confirmé de marins aguerris, une soixantaine de jeunes, hommes et femmes, sélectionnés sur plusieurs centaines de volontaires, faisaient
l'expérience de la haute mer. Arrivés à New York, avant de débarquer, ces jeunes témoignaient de leur vécu en mer et de leur découverte pendant la traversée de l'Atlantique. L'émission spéciale de Thalassa témoignait de cette aventure humaine, technique, maritime, exceptionnelle. Ces jeunes adultes, avaient découvert qu'ils étaient capables de dépasser les limites de ce qu'ils pensaient être le maximum de leurs possibilités. Monsieur Gilbert Puzy-Lafayette, ici ce soir au Conquet, vous êtes le trait d'union qui nous invite à nous souvenir de ces hommes qui, hier, au péril de leur vie, partirent vers les Amériques pour un combat qui transcendait leur quotidien et qui habitait leurs rêves les plus fous. Ils faisaient basculer l'histoire. Vous êtes, monsieur, de cette descendance. Et vous êtes aujourd'hui un homme engagé. Engagé au service de l'image de la France et du rayonnement de sa culture dans le monde. Vous êtes engagé au service de la langue française, toujours si importante à vos yeux, à nos yeux, aux yeux de nombre de nos contemporains. Merci d'avoir accepté de présider ce salon. Ce matin, au Mémorial national de Saint-Mathieu, à l'invitation de l'association Aux Marins, après un temps de recueillement, vous avez dévoilé une plaque du souvenir dédiée aux 1534 marins français morts pour l'indépendance américaine. C'est la preuve que nous n'oublions pas, ni vous, ni l'association Aux Marins, n'oublie les sacrifices de ces héros qui ont accompagné le marquis de Lafayette et tant d'autres marins qui sont entrés également dans l'histoire. Alors les héros nous aident à vivre aujourd'hui, à entreprendre, à partir au-delà des mers, ou tout simplement à marcher sur nos routes humaines, ici en Pénarvède, à marcher sur nos sentiers côtiers, et à marcher pour aller vers les autres, pour partager, pour construire. Et nous n'oublions pas que c'est à Brest que l'Hermione fut enregistrée en 1779 au quartier des affaires maritimes. C'est à Brest, en août 2015, que l'Hermione est revenue couverte de gloire de son périple aux Amériques sur les traces de Lafayette, de Latouche Préville et de tant d'autres. 172 000 personnes ont accueilli l'Hermione sur les quais à Brest au mois d'août 2015. Et c'est à Brest, à l'occasion des fêtes maritimes, nous en sommes un peu la préfiguration, si j'ose dire, c'est à Brest, à l'occasion des fêtes maritimes de juillet 2016, que l'Hermione sera acclamée à nouveau par des milliers de visiteurs. Alors, pour notre 11e salon, nous disons bien littérature maritime, car nous sommes bien dans les fondamentaux de notre salon du livre du Conquet, au service de la culture maritime, au service de la culture bretonne, de la culture tout court également, culture d'hier, culture d'aujourd'hui, culture de demain. Les 2000 livres, et un peu plus, que nous proposons pendant ce week-end au salon, s'adressent aux jeunes, comme aux moins jeunes, et nous privilégions, pour tous les auteurs qui sont ici ce soir, et ils le savent, nous privilégions cette rencontre entre ceux qui écrivent, ceux qui créent, et ceux qui se passionnent pour ce qui a été créé par des auteurs, par des artistes. Alors, encore merci à vous tous d'être là ce soir. Bonheur et d'honneur d'être ici pour la première fois, notre famille,
et d'apprécier ce que vous avez, je prononce bien, et dans toutes ces communes, à commencer par la commune du Conquet, et celle d'à côté qui s'appelle la commune de Clou. Alors, excusez-moi, voilà, et dont je salue, que ce soit pour Conquet et pour la commune d'à côté, les représentants. Et oui, il y a eu beaucoup de choses faites avec Hermione. Ma famille, à commencer par ma mère, qui était vieillarde, l'auteur de l'American Revolution, descendante de Rochambeau. On a des doubles casquettes. Voilà. Et puis moi-même, jusqu'à la fin, on a été voir Hermione avec mon fils à Rochefort, quelques 2 ans avant son départ. Et nous avons retrouvé l'année dernière, d'abord à Philadelphie, à New York, où c'était magnifique le défilé du 4 juillet, l'Hermione devant, magnifique bateau, là on voyait, et qui a été apprécié par les Américains, et c'était très émouvant de voir ce magnifique bateau passer devant la Statue de la Liberté. C'était vraiment nous étions fiers tous d'être français à ce moment-là. Vraiment deux grands symboles, symbole actuel et un symbole beaucoup plus ancien, de l'amitié franco-américaine et de la reconnaissance des Français vis-à-vis des Américains. Et cette reconnaissance est réciproque. Et grâce à Patrick Villiers qui a fait une superbe conférence l'année dernière, j'ai appris le rôle important de la famille bretonne, des origines bretonnes, de Lafayette, par sa mère, les Larivière, et qui ont eu une influence considérable sur la destinée du jeune Lafayette, et en particulier auprès de l'armée, et auprès du roi, et auprès de sa future famille de Noailles, puisque c'est grâce aux Larivière qu'il a pu rencontrer Adrienne de Noailles, qui a été une femme extraordinaire, que malheureusement qu'on méconnaît, et qui a eu un rôle très important dans la vie de Lafayette. Et donc, évidemment, à la pointe Saint-Mathieu, j'ai été très touché par ce monument, qui est à la gloire de tous les marins qui sont morts pour la France, à toutes les époques. Et en particulier des marins qui sont morts au moment de la guerre d'indépendance et dont on oublie un peu trop le rôle important. On sait très bien que c'est la seule époque où la marine française a pu tenir tête à la marine anglaise. Il n'y a pas eu d'autre époque, c'était vraiment cette époque-là, grâce à Louis XVI et à ses ministres, qu'on a eu une marine très forte. Et qui a permis, c'est elle qui a décidé vraiment de la victoire de Yorktown. Sans la marine française, la victoire a été très compromise. Il faut vraiment rendre grâce à l'amiral de Grasse et à tous ces marins qui ont œuvré. Et dont on m'a dit 1500 sont morts pour l'indépendance américaine. Il ne faut pas l'oublier. Et les Américains n'oublient pas d'ailleurs, parce qu'ils sont, quand ils ont débarqué, sur les plages de Normandie, et penser aussi à ces malheureux marins français venus pour garantir l'indépendance de leur pays. Donc merci beaucoup. Et puis l'histoire continue toujours à être créée, et on découvre tout le temps je vois toutes les photos qu'on a vues qui sont très touchantes de tous ces marins morts un peu partout pour la France, et on en ajoute tous les ans. Et c'est très bien ce que vous faites pour la mémoire de notre patrimoine historique et de tous ces hommes qui, grâce à eux, nous sommes encore libres et indépendants. Donc merci pour ce que vous faites, et nous reviendrons avec plaisir maintenant que nous avons pris le virus de la Bretagne. Merci à vous. Merci Monsieur de Pussy-Lafayette pour ce beau discours. Nous allons reprendre le cours de cette cérémonie en parlant du concours de nouvelles. Le concours de nouvelles, donc, est
C'est un exercice d'écriture qui a été mis en place depuis quelques années et qui est orchestré par Eliane. Donc je vais laisser Eliane s'en occuper et vous en parler. Notre dernier concours de nouvelles s'intitulait ainsi. En 2015, Monsieur le Marquis de Lafayette embarque à bord de l'Hermione à destination des États-Unis. Racontez. 83 personnes ont participé au concours. Avant de vous donner le palmarès, j'adresse mes remerciements aux professeurs qui ont accompagné leurs élèves dans leur travail d'écriture, aux membres de l'équipe du concours qui répondent présents depuis la rédaction, l'élaboration de l'affiche et l'évaluation des textes, aux responsables de la section MGEN du Finistère pour leur partenariat. Alors, je vais vous donner les résultats des concours. Dans la série collégien, premier, Brébion Alexandre du collège 1102 de Chaland. Deuxième, Fleurie Noémie du collège 1102 de Chaland. Troisième, Dormoy Agathe, qui est ici, du collège Jean-Michel du Conquet. Quatrième, Lédin Jade du collège 1102 de Chaland aussi. Dans la catégorie lycéen, Garnier Thibault de l'école des Mousses à Brest. Deuxième, Séraphin Roxane de l'école des Mousses. Alors, troisième ex aequo, Da Silva José du lycée de Lélorne à Landerneau. Je ne sais pas s'il est là. Troisième ex aequo, Cerveau Théobald de l'école des Mousses. Dans la catégorie adulte, premier, le maire Cédric de Meudon. Alors, vous devez venir, je ne sais pas s'il est là. À l'Assemblée ? Non. Alors, deuxième, le montagnier Gilles de Fouesnant. Troisième, le duc Jacques de Cloire-Carnoët. Donc on peut les féliciter et les encourager à poursuivre, à continuer à lire et à écrire et à participer à des concours de nouvelles. Voilà, bravo à tous. Les nouvelles seront mises sur notre site au courant du mois de mai. Voilà, les textes complets. Voilà, merci. Le visuel de l'affiche est l'œuvre de l'aquarelliste Yvon Carlo. Il représente l'Hermione. Derrière. Yvon Carlo a préparé son croquis à partir de la falaise de Saint-Mathieu à l'arrivée de l'Hermione des Amériques. Célébrer l'Hermione au 11e salon, c'est un peu l'ouverture des festivités de Brest 2016. Alors, je l'applaudir, je ne sais pas si vous là. La mise en page des produits imprimés est, comme toujours, celle des étudiants de première année BTS Communication du lycée Anne-Marie Jaoué. Et de leurs professeurs, Martine Lucera et Maria Elena Lemorvan. Alors, la seule présente aujourd'hui est Gwénoline,
mais les étudiants qui ont réalisé l'affiche, Gwendoline, le marque-page Élodie et Christelle, Anaïs et Léa pour le dossier partenariat et Nolwenn pour l'invitation. Et Gwendoline était aidée de Maxime pour le dépliant, le triptyque que vous avez reçu, le programme. Alors nous le remettons à chacune, nous en avons prévu 6, là il y en a 3, une affiche encadrée qui va être dédicacée, je pense, par M. Carlo s'il est là, hein, tout à l'heure. Ou demain. Ah ben voilà Nolwenn, juste à temps pour recevoir son affiche. Bien, on peut les applaudir. Monsieur Xavier Jean, donc maire du Conquet, va prendre la parole. Avec un peu de voix qui me reste. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous au Conquet. Je remercie les personnalités présentes de nous faire l'honneur de leur venue. Jamais ce salon n'aurait pu être possible sans le travail de l'ombre des nombreux bénévoles de la mer en libre qui n'ont pas compté leur temps et qui ont mis au service des autres leur bonne volonté sous la houlette d'un président toujours aussi dynamique et enthousiaste, René Richard. Toute la municipalité est fière d'accueillir en ses murs un salon aussi original et aussi qualitatif qui contribue grandement à la notoriété et l'attractivité de notre belle cité. La commune est très heureuse de pouvoir contribuer modestement à la mise en place de ce salon et nous le faisons tous les ans avec beaucoup de plaisir. J'en profite aussi pour remercier les partenaires financiers qui apportent leur soutien afin que ce salon puisse perdurer et vous accueillir dans les meilleures conditions. Cette année encore, René et toute son équipe nous ont concocté un salon avec un thème d'actualité, puis on vient d'en parler, il s'agit de l'Hermione, qui reviendra naviguer en mer. Alors j'en profite pour vous signaler qu'avant cette grande fête, le Conquet va participer à ce rayonnement festif en devenant port d'escale et accueillir quelques bateaux les 9, 10 et 11 juillet. Le rendez-vous est donc pris. Aujourd'hui, je suis très honoré en tant que maire du Conquet de recevoir le comte de Pussy-Lafayette, notre invité d'honneur du salon, et pour marquer son passage dans notre ville, je vais à présent lui remettre le blason de la commune. S'il veut bien venir auprès de moi, avec son fils. Voilà, mettez-vous, on va peut-être venir ici devant. Voilà, on va remettre ça à tous les deux. C'est un grand honneur de petit... nous reviendrons, et j'espère mon fils aura le bonheur et l'honneur de revenir, parce que bientôt, ça sera lui qui prendra le flambeau. Il prendra la relève. Avec plaisir. D'accord. Voilà, et puis, donc, en tout cas, merci. Merci. On peut applaudir. Très jolie ville, et je regrette de l'avoir pas connu plus tôt. Mais la France a tellement un patrimoine tellement riche. Choses. Mais en tout cas, je n'oublierai jamais votre accueil et puis tout le salon et les richesses du livre. Et c'est bien de voir que le livre est plus que jamais d'actualité et qu'il ne perd pas de sa valeur culturelle et attractive maintenant comme avant. Et donc, merci à vous et à M. Richard de faire connaître le patrimoine breton et grâce aux livres et aux gravures et aux artistes et aux écrivains. J'espère que ça durera longtemps. Voilà. Et en tout cas, vous avez le soutien, je ferai connaître dès que je retournerai aux États-Unis, en particulier à Newport, puisque je connais bien Newport et je ne savais pas que Brest était jumelé avec Newport. Et je pense que les
marins auront l'occasion d'aller à Newport voir la statue de Rochambeau, dont les armées ont accosté à Newport, qui ont été l'aide importante auprès de Washington. Et en tout cas, vous habitez vraiment une ville superbe et une région magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quand vous m'avez reçu, monsieur le comte, à Paris, à votre pied-à-terre parisien, j'ai constaté qu'il restait quelques places sur vos murs, et donc notre équipe est heureuse de vous offrir donc cette belle reproduction qui a été donc œuvre créée pour les grandes fêtes maritimes de juillet 2016. Se battre à Memphis pour savoir qui est-ce qui va avoir. Mettre dans une partie commune où il n'y aura pas de jaloux, et surtout bien le montrer à tous nos visiteurs, qu'ils soient de France et l'étranger. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Oh, bah, super. Madame Goldberg peut peut-être conclure les prises de parole au nom de la CCPI. Voilà. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous invite, monsieur le président, que nous sommes très émus. Et je représente ici monsieur André Talarmin, le président de la communauté de communes. Il s'en excuse de ne pas être parmi vous, c'est parce qu'il est retenu au championnat d'Europe de lutte celtique à l'Arena à Brest. Alors je voudrais donc en son nom eh bien, vous remercier, monsieur Guy Lafayette, d'avoir pris de votre temps pour venir ici sur ce beau territoire au Conquet et sur le territoire de la communauté de communes. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir. Et je voudrais aussi, monsieur le président, vous remercier de ce bel hommage que vous rendez à l'Hermione et à tous ces marins qui sont disparus, qui ont donné de leur vie, justement, toujours pour la liberté de notre pays. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à tout le travail que vous menez toute l'année, monsieur le président, pour arriver à ce bel événement. Alors, il y a 4 salons du livre en ce moment, c'est dire l'importance que la lecture a sur notre territoire. Mais je voudrais remercier tous les auteurs qui ont cet amour de l'écriture et cet amour de la langue française et qu'ils essaient de nous transmettre à nous tous. Je crois que c'est très important le travail qu'ils font, et vous le reconnaissez bien ici par ce beau salon, de le transmettre aussi aux jeunes générations, les jeunes générations à qui nous voulons transmettre ce goût de la lecture et cet enrichissement intellectuel que vous tous et chacun de vous ici apportez et nous apportez. Je voudrais aussi féliciter tout le travail qui est fait autour du concours de nouvelles. Et vous voyez, en écoutant tout à l'heure les lauréats, je me disais qu'on était vraiment en plein dans l'intergénération. Donc ça fait plaisir effectivement de voir des jeunes aimer la langue française et puis faire en sorte de perpétuer cette bonne écriture que nous tous nous attachons. Voilà, donc la CCPI, dont je vois M. Ney qui est arrivé, qui est aussi vice-président de la CCPI, nous sommes 3 vice-présidents, vous voyez, à faire 4, pardon, parce que là, il est tellement grand qu'il n'y a pas nous sommes 4 vice-présidents, vous voyez, à être très attentionnés sur le travail que vous faites, et si nous vous soutenons, eh bien, c'est parce qu'effectivement, il y a une envergure que vous avez donnée à cette 11e édition qui va perdurer, je crois, très longtemps dans le temps. Merci à vous tous et merci aussi au sponsor. Merci. Nous pouvons conclure ce début de soirée en remerciant toute l'équipe de logistique, Jean-Roger, Paul, Marianique et tous les autres
en particulier les deux hommes qui œuvrent à la plouge, ce qui n'est pas très courant. Le cours de plongeur. Vous pouvez pas l'ajouter celle-là. On les applaudit. Ils nous attendent pour le moment de convivialité, celui que vous attendez tous. Nous avons essayé d'être le plus rapide possible pour les discours. Bonne soirée à tous. Est-ce que les auteurs présents peuvent venir pour une photo demandée par la presse ? Plus difficile, hein. Mais voilà, bienvenue. Merci messieurs d'avoir accepté d'intervenir et de débattre sur cette double problématique, l'Hermione, épopée d'hier, l'Hermione, épopée d'aujourd'hui. Épopée d'hier, l'Hermione, symbole de la renaissance de la marine française à la veille de la Révolution. L'épopée d'aujourd'hui, un chiffre, un seul, en août 2015, sur les quais à Brest, 172 000 personnes saluaient le retour triomphal de la frégate des Amériques. Personne n'avait prévu au niveau des organisateurs cet engouement. Vous imaginez un peu la pagaille. Monsieur de Buzy-Lafayette, dimanche dernier, dans le journal Le Télégramme, vous disiez « La grande idée force de mon aïeul, le marquis de Lafayette, a été la défense de la dignité humaine. C'est un lourd et très riche héritage à porter. » Vous avez, monsieur Patrick Villiers, évoqué cet héritage-là et ce travail du marquis de Lafayette pour les droits de l'homme, et vous avez tenu hier à souligner le pluriel en la matière. Merci encore. Monsieur Patrick Villiers, monsieur le professeur, vous savez que tous les grands marins, avec leurs équipages, ont marqué la vie maritime et politique de notre pays. L'histoire de ces hommes, la narration de leurs aventures, font toujours rêver aujourd'hui. Vous le savez, les héros d'hier nous aident-ils aujourd'hui encore à vivre ? Monsieur Jean-Marie Balu, vous nous dites « Les bateaux naissent dans la faune ». C'est le sous-titre de votre très bel ouvrage. Et vous faites le lien entre deux mondes, celui de la marine, la royale, et celui de la forêt. Vous nous faites rêver, et ce n'est pas si courant
de la part d'un ingénieur général des eaux et forêts que d'enchanter la vie. La reconstruction à l'identique de l'Hermione vous a permis de revivre très concrètement cette construction et la maîtrise en mer d'une frégate du XVIIIe siècle, puisque vous étiez à bord pour les essais pendant plusieurs semaines. Je croyais en rade de Brest, mais vous me disiez hier, bien au-delà de la rade de Brest, pour ces essais avant le grand périple. Monsieur Patrick Bernier, vous êtes un scientifique de formation au directeur CNRS pour l'Amérique du Nord, quand vous étiez en poste avant le début de votre retraite. Vous étiez à Washington, et l'été dernier, vous étiez à Yorktown, à l'arrivée de l'Hermione, et vous représentiez la famille de Castres et la ville de Castres. Vous êtes originaire de cette ville, dans le département du Tarn, et merci d'être venu jusqu'à nous. Rejoignant également votre famille bretonne ici présente. Et vous êtes spécialiste de l'histoire de Scipion de Castres, enseigne de vaisseau à bord de l'Hermione, à un moment différent de la période où Lafayette y était, mais qui a participé donc à la guerre d'indépendance. Mais les de Castres sont aussi une grande famille que vous aurez l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Malheureusement, le livre « Souvenirs maritimes de Scipion de Castres » que nous avions réussi à pister jusque chez l'éditeur, il restait 17 copies en version simplement poche, puisque l'édition brochée était déjà épuisée, ont disparu de chez l'éditeur entre le moment de notre précommande et la confirmation de notre commande. Mais vous nous direz que vous faites localement là-bas un travail pour une réédition de cette œuvre intéressante. Voilà, et vous nous direz aujourd'hui quelques mots de cette épopée vécue par Scipion de Castres dans le contexte de la guerre d'indépendance américaine. Monsieur Patrick Villiers, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, avant d'ouvrir les débats, ce que je voudrais saluer, c'est j'ai mis le temps, mais je n'ai pas comprendre comment ça marchait. Donc, Monsieur le Président, parler au nom de tous ceux qui m'entourent pour saluer la manière dont vous nous avez reçus hier et aujourd'hui, et dont les gens qui sont là vous, aujourd'hui pour nous écouter, mais hier qui sont venus voir nos livres et écouter nos conférences, à savoir, on voit à quel point vous êtes intéressés, vous êtes motivés par la chose maritime, mais au sens large du terme. Parce que justement, la forêt est bien au cœur de la Bretagne, et donc il n'y a pas que la mer. Et donc, on voit bien à quel point vous êtes tout à fait intéressés. Alors effectivement, le sujet que vous nous proposez de traiter ce matin est très vaste, et je vais donc donner tout de suite la parole à ceux qui m'entourent, car fondamentalement, ce qui est très intéressant, c'est de voir à la fois l'aventure de 1775-1783, comment la France s'est lancée dans le soutien à l'Amérique, soutien d'abord en secret, d'où l'envoi de Duportail, de La Rouërie, de Lafayette et de bien d'autres, et puis ensuite l'entrée officielle, et donc, puisque nous prononçons le mot Hermione, l'Hermione, c'est la marine de guerre française qui est là. Et il faut bien comprendre un certain nombre de choses. Un vaisseau, c'est 2000 chaînes. La France en a 60. Entre ceux qu'elle construit et qu'elle va reconstruire, on va en avoir à peu près 80 pendant la guerre d'indépendance. Une frégate, c'est 1200-1400 chaînes centenaires, sans compter les autres essences, sans compter tout le fer qu'il faut faire pour ces bateaux, fer qui est obtenu à partir du charbon de bois. Donc ce qu'il faut bien imaginer, c'est que la forêt est, moi je dirais, plus dévastée que... si on parle un coup de baguette magique, nous survolions la France, les arsenaux, nous verrions à quel point la forêt est mise en coupe réglée au service de l'industrie, au service de l'architecture navale. Mais la France n'importe pas de bois, sauf pour la mâture. Donc, les canons sont produits en France. C'est la grande réussite de Colbert de remplacer les canons de bronze par les canons de fer, qui sont faits en Nivernais et qui sont faits en Périgord. Mais encore une fois, avec des charbons de bois. Il faut 4 à 5 mètres cubes de charbon de bois pour arriver à faire monter en température un minerai de fer qui fait à peine 50%.
Donc, la forêt est réellement mise à contribution. Et puis, il y a l'Église avec la dîme qui a besoin de construire d'énormes greniers et qui, elle aussi, s'accapare les grands bois. Et puis, derrière, il y a les malheureux qui voudraient bien construire des maisons. Et vous avez bien vu que ces maisons, elles sont avec des solives, etc. Donc, il faut imaginer qu'on ait une bataille pour le bois qui est absolument inimaginable, dont on n'a pas de sens aujourd'hui. Donc, comme vous nous direz, je ne vais pas faire la conférence à votre place. Parce que vous nous dites tellement de choses que... Enfin, bref. Donc, je m'arrête là-dessus pour bien comprendre qu'en fait, 1780, c'est bien le passage entre une France officieuse et une France officielle. Et puis, 1780, c'est une date fondamentale parce que la France a eu besoin de l'alliance navale avec l'Espagne. Car les Anglais, c'est 110 vaisseaux, la France lui dit c'est 60, les Espagnols sont capables d'en amener 40, mais les Espagnols voulaient une guerre courte, et on a donc fait une tentative de débarquement en Angleterre, qui a échoué à cause de l'épidémie qui frappe la flotte de Brest. Et alors qu'on a la supériorité en Manche, eh bien, la flotte de Brest qui a 15 000 marins, on a plus de 10 000 malades, et... Donc, Dorvilliers, le chef d'escadre, a dit « Je ne peux pas risquer une bataille navale avec des navires qui, sur 800 hommes, en ont 200 de valides. » Donc, le débarquement échoue, conséquence de l'épidémie. La guerre courte devient une guerre longue, et c'est là qu'on décide l'envoi de Ternay et de Rochambeau en Amérique. Les troupes de Rochambeau étaient basées au Havre. Lafayette était au Havre pour débarquer en Angleterre. C'est donc l'échec de la tentative d'Angleterre qui fait qu'on a les troupes qui sont là et qu'on va décider de les mettre outre-mer. D'où tout un problème de logistique extraordinaire, parce qu'il faut mobiliser plus de 200 navires marchands pour transporter troupes, canons, approvisionnement. Il n'y a rien aux États-Unis. Et c'est là que Lafayette donc, se retrouve avec sa mission de partir sur l'Hermione, mais là, ce n'est plus le clandestin chargé d'armes qui débarque au secours des États-Unis, c'est, et c'est bien marqué dans sa commission, un colonel de France ayant grade de général de l'armée américaine qui vient apporter l'arrivée de la France et organiser l'arrivée d'Américains, tant qu'il faut le dire, qui sont aux abois. Washington a perdu encore plus de troupes, je m'explique. Aux États-Unis, vous aviez deux systèmes de troupes. Vous aviez les Rugelers, c'est-à-dire en fait les quelques troupes régulières payées par les États, les 13 États qui se sont révoltés. Et puis massivement, c'était les milices, c'est-à-dire les volontiers. Bon. Et ces volontiers, ben, l'hiver, ils rentrent chez eux. Eh bien, Washington a plus perdu d'hommes rentrés chez eux en 79-80 que lors du fameux hiver de Valley-Forge où il y avait Lafayette. Donc c'est bien véritablement des États-Unis aux abois qui attendent l'arrivée de Lafayette. Et quand Lafayette débarque, c'est un triomphe à Boston. La France arrive, c'est comme nous le 6 juin 44, etc. Bon. Mais je m'arrête et je vous passe donc la parole. Non, mais c'est vraiment, je suis impressionné de prendre la parole auprès d'éminents collègues, si je puis dire, en toute modestie, parce que vraiment j'ai beaucoup à apprendre de vous. Je parlerai surtout de Lafayette, des origines de Lafayette, qui sont importantes pour, on sait très bien, et j'ai pu remarquer moi-même, ayant habité en Auvergne pendant de l'âge de 2 ans à l'âge de 15 ans, quelle est l'importance des premières années de la vie pour un homme. Et je pense que ça a marqué beaucoup Lafayette, d'autant plus qu'il a perdu son père à l'âge de 2 ans, qu'il n'a pas connu donc, et qu'il a été entouré de femmes. Et donc il est devenu enfant unique le petit seigneur de Chavagnac-Lafayette. Et comme tu, petit seigneur, il était très libre de faire ce qu'il voulait, contrairement à moi, qui était très surveillé et qui ne pouvait pas sortir de notre propriété. Et lui, au contraire, je pense qu'il a eu toute l'attitude et il a rencontré tous les jeunes paysans du coin et il a dû, par la force des choses, devenir leur chef. Mais, par exemple, on sait la bête du Gévaudan qui voulait absolument attaquer et prendre. Donc il a dirigé ses petits galopins, très malins et tout, mais qui connaissaient mieux le territoire que lui.
Et il est parti, il a dû partir à l'âge de 8-9 ans avec sa mère. Il avait enlevé la chaise. Si la République, alors là c'est plus possible. Donc c'est l'occasion, avec cette après-midi, de remercier Monsieur le Maire, chers amis, de remercier la municipalité du Conquet qui nous accueille tous, nous les organisateurs bien sûr, mais vous, les invités, les exposants, l'ensemble de l'équipe des bénévoles dans les locaux de la municipalité et qui nous permet, avec des services techniques, de pouvoir réaliser toute cette manifestation. Xavier, merci. Merci beaucoup. Merci au salon également. Merci à René, toute son équipe, comme je l'ai dit hier soir, c'est vraiment un travail phénoménal et je crois que ça rayonne bien sûr sur la commune du Conquet. Et je suis très heureux de participer humblement à ce salon et d'avoir des invités prestigieux comme nous avons tous les ans et cette année en train de communiquer avec le comte et son fils Alexandre. En tout cas, un grand merci à vous d'être présents et à tous les auteurs et encore merci à tous les bénévoles. Tchin-tchin, comme on dit. Ça c'est un peu, 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 c'est un
Alors les plans de Neptune, je les ai publiés, je les ai publiés. La poésie, mais non, je crois que la poésie, elle est vivante. Hein.
Donc, bon, on va la vivre en plus en parole et en musique. Et je laisse maintenant Françoise présenter son poète préféré. Il y a de nombreux poètes que j'aime, notamment parmi les poètes de Klaus Sanon par une pause poétique. En fait, c'est une grande première en 11 ans d'existence du Sanon. Alors, la pause poétique se fait avec Jean-Paul Kermarek, accompagné donc du musicien Jacques Lébrier. Et voilà, ils vont nous faire rêver tout en parlant de choses tout de même bien, bien sérieuses. Alors, la poésie pour vous, Jean-Paul Kermarek, est une poésie vivante. Elle vous habite depuis fort longtemps, d'ailleurs, je crois. Alors, j'ai lu quelque part que vous avez même rendu un devoir, une copie rédigée en vers. J'ai lu ça quelque part. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? C'était un devoir de technologie. Oui, et bien, il me semblait bien. Alors, je n'avais pas retrouvé donc, mes sources, mais il me semblait bien. Et j'avais été fort étonnée que c'était un devoir de technologie rédigée en vers. Donc, bon, comme quoi la poésie vous habite depuis vraiment très longtemps. Alors, il s'agit d'une poésie vivante, comme vous allez donc l'entendre. Vous intervenez souvent dans des bibliothèques, centres culturels, maisons de la culture et autres. Vous travaillez aussi avec des plasticiens, des traducteurs, des peintres, et j'en ai musiciens, voilà, et j'en oublie certainement. Alors, ce qui vous inspire, je crois que c'est beaucoup la nature, les éléments. Vous habitez donc à Kléder, sur la côte nord, voilà, une côte relativement sauvage, dirons-nous. Et dans certains de vos titres, on retrouve ces éléments-là. Si je pense au chant parlé de la dune et du vent, notamment d'herbe des pluies, etc. Et alors, la beauté de la nature vous inspire, mais quand celle-ci, quand la nature est malmenée, vous savez aussi dire votre révolte, mais en poésie. Voilà. Sinon, d'autres sources d'inspiration, la femme, notamment dans un beau livre sur la lune, les chants de la lune mandarine, la femme d'ici d'ailleurs. En fait, c'est toute votre humanité que l'on retrouve dans... Toute l'humanité, plutôt, que l'on retrouve, et votre humanité aussi d'ailleurs, dans votre poésie. Et votre poésie qui a été récompensée en 1999, c'était le Grand Prix des poètes bretons, des écrivains confondus, d'accord. Et en 2006, quand même le prix Xavier Graal, ce qui n'est pas rien. Donc, merci beaucoup de nous faire donc, vivre un petit moment de poésie, là, avec votre musicien Jacques Lébrier. On vous écoute, la parole est à vous. Merci beaucoup. Il y a de soulissate et terrabilonette peut-être une scarabinure ou encore une chrysolinette. Et de soulissate clochevelure, la crousaille des mouches à beurette qui s'allégrègent dans la bruge. Que sais-tu cela, toi la pougasse à morcille qui bigoulère de trifèse les bougles rasoufilles. Il y a, et dans la mougne minouillette, peut-être une autre mougne qui bigalouve ce coulounier. Et au foulail de ta carapulse, une aérolette qui se crousimulse de volte pigue carassonnier. Qu'en sais-tu cela, toi, les crevards amadis qui silipat abroger la carassougne de Soulissa l'Oël de la Gadille. Il y a, et dans ta berge rapinette, peut-être un colimacareux qui moulinge le pré des anginaires. Et au foulail de tes mirabilaines, la rigouline d'un chipireux qui trilicuisse à la hule du vinaire. Que sais-tu cela, toi, le chpan, frigleux et gravaire qui spinoque de soulissate et colimourde la violurette du matinaire.
ne sais pas si vous avez suivi, mais bon, c'est peut-être le langage de certains navigateurs. Ils ont entendu dans les îles lointaines peut-être parler des étrangers de cette manière-là. Du portugnol ou du... je ne sais pas. Bref, si vous voulez la traduction, je peux vous la donner. Oui. Et vous avez remarqué, ceci n'est pas une conférence. Faire le tour de la question, ce serait plutôt une circonférence. Voilà, je traduis donc ce que je viens de dire. Il y a sous tes talons peut-être un scarabée, ou encore un grillon. Et sous ta chevelure, le cri des papillons qui s'ouvrent dans la nuit. Sais-tu cela, toi, la dune assoupie qui rêve de tempêtes et de villes englouties? Il y a dans ta main nue peut-être une autre main qui aime à se blottir. Et au fond de ton cœur, un oiseau qui a peur et ne veut pas mourir. Sais-tu cela, toi, l'arbre endormi qui joue à faire le mort sous l'aile de la pluie? Il y a dans ta maison peut-être un escalier qui mène au paradis, et au fond de tes yeux, le rire d'une fée qui court après la vie. Sais-tu cela, toi, le ciel bas et gris qui roule sous le conquet ses lumières du midi. Voilà. Alors là, c'était plus une petite mise en bouche. Maintenant, je vais vous parler de l'eau qui va aux rivières, qui va à la mer, l'eau. Mais d'abord, l'humus, l'humide, la buée tombée des astres, la vapeur et la cendre. La mort végétale, l'excrément, le fumier, le silence pourrissant de l'écorce aux ramures, le tronc qui se lâche et l'aubier qui s'éteint quand l'automne flamboie dans ses averses de feuilles. D'abord, l'humus, l'humide, le terreau mouillé du sang des arbres, grouillant de larves, de larmes d'oiseaux, de plumes, de cris. Le cri des racines, leur entêtement à s'enfoncer toujours plus loin dans l'ombre pour rechercher l'humide, la goutte, le centre, le souffle, la marée. Le cri des racines, assoiffés de liqueur fétale, buvant au jus de la pierre et de la graine, têtant la matrice, le lait nécessaire à la sève, à la greffe, au bourgeon, tétant l'encre noire de la vie. Le cri des racines, leurs ailes de nerfs tortillés, leurs fils électriques, leurs pattes d'araignées survoltées, leurs fibres, leurs pailles, leurs tresses, leurs nœuds battant poussière et feu, leurs spirales bouffies, leurs fourmis, leurs cheveux. Le cri des racines, leurs touffes, leurs poils, leurs épis, leurs tripes ébouriffées, leurs cailloux, leurs baisers, leurs dards, leurs queues, leurs vipères, leurs jambes neigeuses, leurs veines, leurs varices, leurs veigneuses souterraines, leurs vins ténébreux, leurs ficelles, leurs fusils, leurs mitrailleuses, leur guerre continuelle. Le cri des racines, leur délire d'arbres à l'envers, leurs branches désossées, stellaires, brindillées, leurs ruisseaux paratonnerres, leurs coulées d'enfer, leurs boues, leurs rocailles, leurs terres, leurs glaises, leurs argiles, leurs calcaires, leurs traversées dunaires, leurs craies, leurs fugues, leur ciel fait de suie brune et de fumée, leurs éclats de lune effilochés. Le cri des racines, tous ces pieds enchevêtrés parmi les feuilles et le désastre, le cri de la forêt,
million d'yeux noirs scrutant le fond de l'ombre, cette ombre autour des grands arbres. La forêt, son silence salé sur la langue des écureuils, avec le vent pointu, pointant son nez de renard, allant, râlant, raclant des éclairs dans la gorge des êtres fous. La forêt, les 80 pendus au bout de cordes rouges, balançant aux corbeaux leurs os secs et tordus, leurs os de pauvres jeunes gens qui ont pensé peut-être un peu trop fort derrière le dos d'un président. Pas loin de la forêt, la plage. La plage. Avec une île beuglante au large dans la maille des vagues. La plage. Et 163 noyés, émigrés clandestins, le corps bleu délavé, troué par les crabes, rongé par le sel, le nitrate et le chlore, sur leur sable, leur bave étincelle et leur bras pâle s'étale dans les algues au soleil qui les mord. La plage, où la lumière s'endort aux escales de l'eau. La plage, où la lumière dort sur des lits de galets que le vent interroge. Galets. Ne pleure pas sur ta solitude. Réjouis-toi d'appartenir à l'orchestre des marées. Ne pleure pas sur ton silence. Réjouis-toi d'être l'étincelle de l'orage, le cri de la silice dans les blés de la nuit. Galet, réjouis-toi d'être une foule pour applaudir la mer. Ne pleure pas sur ton silence. Réjouis-toi d'être grain de lumière détaché de la montagne. Quatre petits galets roulés dans une rivière glacée au pied du mont Everest. Pierre blanche du plateau d'Alep, aujourd'hui rougie par la guerre. Petra, le joyau du désert. Ne jette pas cette pierre. Marbre du Rajasthan, au tam-tam des marteaux, tailleur de pierre en poussière et d'étoiles. Carrière, granit, menhir de Kerloas que j'entends respirer, longue pierre fêlée où se posent de grands yeux verts. Où cette route d'os, corne vilaine et pointue pour mes genoux de gosse, les pierres sont des bosses. Ne jette pas cette pierre, regarde-la, rêve-la. Ah, les beaux cailloux, le bigarré de la cornouaille anglaise. Le nacré cueilli par un soir tendre sur le sentier douanier ou musard de la lumière. La petite pierre de la vallée des peintres et ses pépites sur le chemin du mont Dol. Ce fragment de lune abandonné sur la dune aux Oyas. Et toi, petite pierre brisée sous les pins craquants dans l'écrin des cigales. Ammonite grise éprise de l'Ardèche au pont de Nave, Tine pour Charès. Pierre ventrue du Chassezac. Galet brûlant, noyé de ciel et de musique. Oh, les rencontres, oh, les voyages. Étouffer la rivière et puis combler les temps, combler les temps, combler les temps, combler les temps. Oh, le bel étang comblé.
Il ne faut pas crier qu'il est contre la nature. Personne n'a entendu la nuit pleurer le long des vieux murs. Ni aucune plainte aux alentours du vieux moulin. Il y a eu bien sûr les crues sauvages de novembre. Mais c'était plus loin, du côté des marais. Il ne faut pas crier comme ça. Pas de ruisseau fantôme sous le parking du McDo, ni sous les maisons de la cité. Il ne faut pas crier, bonhomme. Mais savoir où tu poses le pied, et que parfois tu dors sur une rivière étranglée. Du coup, ça se dit beaucoup. Avant que tu n'ailles te noyer dans les sables d'Afrique, avant que tu n'ailles t'évaporer dans les oasis privées des milliardaires, avant que tu n'ailles te confondre aux fumées des centrales, avant que les acides ne t'empoisonnent, avant que tu ne disparaisses des mares et des puits, avant que la soif ne dessèche les corps et te vide, toi, ma rivière, mon amour, ma vie, toi, mes artères et mon sang, toi, ma source vive, polluée jusqu'au fond, toi, ma vase, ma boue, mon limon, toi, ma bouche et ma langue, toi, ma rivière sans rive et mon chant sans oiseau, toi, mes lèvres sans sourire, toi, mes doigts sans piano, toi, quand tu voudras, je suis là, je te bois, je t'épouse. Quand tu voudras, je me jette avec toi dans le lit de nos eaux conjuguées. Déjà au-dessus des avers, une main touche l'eau, joue avec la lumière. Est-ce l'amour éventant ses rivières ou la mort dévoilant ses lacs noirs? Est-ce l'âme couvant son plaisir de goéland radieux, l'âme ou la mer? Le sais-tu, toi, l'enfant des brumes légères? Le sais-tu, toi, l'ouvrier dans tes sages manœuvres? Et toi, poète, le sais-tu, le front penché sur ton œuvre? Vois-tu cette main fouillant le ciel? Vois-tu la lune enflée comme une courge et son gros œil en pleurs? Entends-tu soupirer les petites maisons des hommes et les ruches des abeilles? Toi, créateur, qui participe à l'ouvrage, où poseras-tu ton visage quand la marée de mort viendra? Quand tu n'auras plus les braises de tes mots, à quoi te servira-t-il de chanter? Si tu n'as plus le feu en toi, si la musique s'en est allée. La poésie, les néons, tes yeux rivés dans les miens, tout ça ne sert à rien si tout est éteint. Le ciel bas, les églises, les chiens loups, les marsouins, sert à rien. Sert à rien la lumière si c'est flou par derrière. Sert à rien le matin si ton cœur est chagrin. Sert à rien de te cacher sous la table, t'enfermer dans ta chambre ou la niche du chien. Sert à rien de pleurnicher, sert à rien toutes ces armes, toutes ces larmes, ta cervelle est toute molle. Sert à rien les infos que t'y colles. Toutes ces guerres, toutes ces armes, tous ces morts, sert à rien. Sert à rien que tu zappes, car tu zappes. Tu zappes tout, comme si t'avais peur de l'histoire, peur de t'arrêter sur le bord du trottoir. La peur et la rage, sert à rien d'avoir si peur, sert à rien d'avoir la rage. Ça te ronge le cœur, ça te noie de cirage, sert à rien. La poésie, les néons, mes yeux rivés dans les tiens, tout ça ne sert à rien si tout est éteint. Sert à rien de faire la fête et l'amour sous le bal des lampions, sert à rien. Sert à rien les discours, les chansons, les mots doux, sert à rien. Si tu
n'a pas dans le ventre la pile, l'énergie, la passion. Sert à rien la passion sous l'exil, sert à rien que tu comptes les jours si tout est éteint. Les nuits blanches, tu pars dans la neige, les oiseaux frileux du matin, sert à rien. La poésie, les néons, et tes yeux dans les miens, sert à rien. Si le feu est éteint, si le feu est éteint, si le feu est éteint. Nous allons changer de registre. Et c'était quoi, t'as vu là? Tout ce que t'as lu, c'était dans quoi? Mais ce que tu as lu, c'est dans quoi? C'est dans un livre, ça? C'est dans un livre. Ah ouais. Ouais, c'est dans un livre. Ah. C'est un livre qui est présenté au salon de la mer. Ah, ben c'est bien. Okay. Parce que tu changes de livre, là, maintenant. Là, je change de livre. D'accord. Donc, c'était Dit de la rivière. Maintenant, c'est L'épuisement de la crevette. Une série de petits poèmes pour mes amusants. Donc, tiré de L'épuisement de la crevette. Sont de la farine ici, le pain nous dit bonjour ici, le bourg s'illumine ici, nous avançons dans le matin ici, le bruit de nos rêves ici collé encore aux yeux. Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues, et le bleu et le vert, qui dansent sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible, quand on ouvre les yeux. C'est la porte du large, ouverte à deux battants, c'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare, au-devant du soleil, enfermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour qu'il faudra découvrir avant la fin du jour. Raconte-moi la mer. Dis-moi ces aubes pâles et
et le bleu et le vert. Où tombent des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. C'est l'écume et le sable, toujours recommencer, et la vie est semblable au rythme des marais. C'est l'infinie détresse des choses qui s'en vont, c'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour que l'on cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues. Et le bleu et le vert. Qui danse sur les vagues. J'aime les crevettes et les crevettes m'épuisent.